Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très délicat. Alors, pour les personnes qui ont surfé sur YouTube et qui ont vu le titre l'euthanasie et qui me connaissent pas, je vais me présenter rapidement. Je suis médium. Alors, il faut savoir qu'en média, en France, la médiumnité, c'est très court des miracles. On est souvent détesté, on n'est pas toujours compris, tout ça. Donc voilà, donc les gens qui vont écouter cette vidéo, sachez que c'est un médium qui vous parle. Et le médium, il est en communication avec des plans invisibles. Alors, on y croit, on n'y croit pas, mais quand on perd quelqu'un de très cher, une longue maladie ou autre chose comme ça, des trucs très douloureux, on se dit quand même là où il est, il ne souffre plus. Les médiums sont faits pour vous expliquer là où ils sont, ce qui peut se passer selon le médium. Voilà, ça c'est pour les nouveaux qui vont écouter. Après, pour mes habitués, mais écoutez, je vous remercie encore de votre fidélité. Aujourd'hui, je touche à un problème très délicat, l'euthanasie. Alors, je n'ai pas l'intention de vous faire un cours de morale là-dessus. Je vais simplement vous expliquer ce que moi j'en pense, mais ce que j'en pense moi, ce n'est pas très important. Mais voilà, je vais vous dire si je suis pour ou contre. Je vais simplement vous expliquer les contacts que j'ai eus avec des personnes décédées qui avaient demandé de partir comme ça. Et je vais vous donner des exemples, parce que j'en ai eu quelques-uns, parce que j'explique dans mes vidéos toujours que je parle que de mon parcours. Et puis après, des familles qui sont venues pour avoir des nouvelles de leurs proches partis. Donc c'est un sujet sérieux et délicat, j'ai longuement réfléchi avant de le faire. J'ai dit je le fais, j'ai dit je le fais pas. Là-haut, on m'a poussé en disant il faut en parler. Je trouvais que c'était pas ma place. Mais comme j'ai fait une vidéo sur la crémation, j'en ai fait une sur le suicide, je pouvais également en faire une sur l'euthanasie. Donc je vais vous parler, mais comme je parle d'habitude, simplement avec mes mots. Donc, l'euthanasie, alors déjà, pour les commentaires, parce que je reçois, il faut arrêter de m'écrire pourquoi je bloque les commentaires, je l'ai déjà dit et redit et redit, je ne veux pas de commentaires parce que les commentaires appellent une question à laquelle je suis obligé de répondre, parce que sinon je ne suis pas bien, et si je réponds, ma réponse va vous redonner une question et on va passer notre vie là-dessus. Puis après, il y a les commentaires haineux. Alors ça, c'est si j'ouvre les commentaires sur l'euthanasie, ça va être un bordel monstre, on peut parler comme ça, dans les commentaires. Donc, voilà, ce sera fermé, voilà. Je vous donne simplement mon point de vue. Alors, si vous me demandez si je suis pour ou contre l'euthanasie, alors moi, je me suis inscrit à l'Association de France, l'ADM, je crois que ça s'appelle, pour mourir dignement. Donc, je suis inscrit. Après, une fois mon inscription faite, il faut en parler à un proche qui va s'occuper des papiers, il faut en parler au médecin traitant, qui est pour ou qui est contre, s'il est contre, il faut changer de médecin traitant. Enfin, c'est pas tout simple, et heureusement que c'est pas tout simple, c'est parce que c'est très surveillé. Donc, je suis inscrit. Après, de temps en temps, je me dis, est-ce que c'est bien ou pas? Parce que là-dedans, ça travaille, hein. Est-ce que c'est bien ou pas? Est-ce que c'est bien de le faire pour moi égoïstement, pour pas souffrir, puis par respect pour moi? Le faire subir à mon entourage, il faut vraiment que tout le monde soit d'accord, tout le monde... Voilà, c'est très compliqué, voilà. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, quand j'enregistre cette vidéo, on est en août, alors je ne sais pas quand elle sera diffusée, voilà, mes papiers sont faits et tout, donc je partirai dignement. Voilà. Alors, pour rassurer également les gens, comme pour le suicide, la personne qui se suicide, elle n'a pas de jugement là-haut, on va dire de Dieu, mais de l'univers, hein, parce que voilà, il n'y a pas de jugement. L'âme, elle va dans la lumière, à son propre rythme. Pareil pour les gens qui passent par la crémation. L'âme, elle s'élève, elle va dans la lumière, à son propre rythme. Et pareil pour l'euthanasie. Voilà. Au moment où on coupe le fil d'argent qui relie l'âme et l'esprit à l'univers, au cosmos, là, l'âme, elle va partir et elle va monter progressivement. Alors, je ne parlerai pas de religion parce que dans les religions, ça n'a rien à voir. Les religions, je pars du principe qu'elles n'ont pas à juger tout ça, c'est deux choses différentes. Les religions, c'est une éducation hein, qui nous amène à Dieu. Chacun a son propre rite, chacun avec ses propres commandements. Donc, l'euthanasie n'a rien à voir avec ça. Au moment où le geste sera fait,
hop, l'âme, elle va sortir du corps, elle va regarder l'environnement et elle va retrouver ses guides ou ses défunts qui vont venir la chercher, parce que ça se prépare une euthanasie. Donc, ceux qui sont partis avant vous de l'autre côté savent ce que vous allez faire. Donc, ils ne vont pas vous laisser comme ça sans rien. Donc, ils vont venir près de vous, ils vont venir vous chercher. Les guides aussi, votre guide spirituel, vont venir, ou vos guides, pour ceux qui pensent qu'ils en ont plusieurs. Voilà. Il y a des énergies qui vont venir vous prendre, vous porter et vous montrer le chemin vers la lumière. Voilà. Donc, il n'y a pas de jugement divin dans cet acte. Alors, les défunts que j'ai eus qui se sont manifestés, ce sont des gens qui venaient me consulter, qui m'aident, deux qui m'avaient vu en conférence, parce que je pense que les gens que je faisais en conférence, puis une qui est venue par bouche à oreille. Voilà. Dans le premier cas, la personne qui était partie pour le grand voyage, avait fait ça en Suisse, elle venait remercier le mari, enfin c'était une dame, donc son mari, d'avoir accepté son départ, que lui était contre cette technique, si on peut appeler ça comme ça, pour partir, mais il avait accepté par amour pour sa femme. C'était vraiment un mariage d'amour, comme, vous savez, c'était fusionnel depuis l'âge de 18 ans, c'était, voilà. Donc par amour, il a accepté. Alors lui, il était dans une souffrance extrême, mais elle est venue le rassurer, elle est venue le remercier. Elle lui a donné 3 détails que lui seul savait, parce qu'au moment on met l'acte. Alors c'est selon les associations. Dans des associations, les gens restent, d'autres partent, enfin, c'est au cas par cas également. Lui était là pour l'assister jusqu'à la fin. Il a fait 3 gestes que lui seul savait et elle lui a donné tout en détail. Alors le contact n'a pas duré longtemps. Après, il m'a dit, oui, mais c'est pas assez long le contact. C'est pas vous qui décidez et c'est pas moi non plus. Et c'est la personne là-haut qui, je pense, peut décider avec son guide si on donne un message plus long ou plus court. Voilà. Donc voilà. Mais, tout de suite, sur l'instant, ça l'a apaisé. Et une fois que le contact est terminé, il m'a dit, c'est pas assez long. Donc je lui explique. Voilà. Et à la fin, il me dit, oui, c'est bien joli tout ça, mais peut-être que vous m'inventez ça pour me faire plaisir. C'est le problème que les médiums ont quand on donne un joli message et puis que la personne en face n'est pas prête à le recevoir parce qu'elle n'a pas entendu ce qu'elle voulait, parce que voilà. Donc j'ai discuté avec ce monsieur, j'ai dit, vous attendiez quoi? Il m'a dit, je voulais savoir si elle regrettait son geste. Oui, c'est compliqué, hein. Donc on n'est pas psy, je ne suis pas psy, rien du tout. Moi, je suis pour expliquer la survivance. Donc je lui ai demandé qu'il reste sur le message que je lui avais donné, hein. Il m'a dit, je vais essayer de faire le travail. Il m'a dit, peut-être que j'irai voir d'autres de vos collègues, mais j'ai pas de problème. J'ai dit, attention, on met les pieds. Et puis, j'explique bien que c'est pas une obligation que la personne partie, elle choisit son médium. Voilà. Ça, c'était le premier cas. Le deuxième cas, la dame est venue. C'est beaucoup de femmes. La dame est venue pour son fils et son mari. Donc j'avais les deux en face de moi. Généralement, je n'avais qu'une seule personne. Et pour ces cas-là, je ne voyais pas dire non, fils. Donc j'ai pris les deux, en sachant que la personne partie, elle va s'adresser qu'à une seule personne, rarement aux deux en même temps. Donc je dis au monsieur, votre femme est là. Et là, dès que je dis ça, on pleure, donc on est soulagé d'émotion. Je dis au fils, votre belle-maman est là. Et là, il me dit, ah, oui, c'était pas ma maman, c'était ma belle-maman. Donc déjà, hop, le contact se faisait, il voyait que j'avais déjà... Il me dit, ah oui, vous avez bien deviné, j'aime pas quand on dit vous avez bien deviné. Je devine pas, je transmets. Si on me transmet quelque chose de faux, je transmets quelque chose de faux. Donc je donne le message, et la dame dit, j'aurais dû le faire beaucoup plus tôt. J'ai trop attendu. Alors, ça, c'est dur à entendre, hein, parce qu'ils ont essayé de soigner le maximum, le mieux possible et tout ça, mais il y avait des souffrances, et elle a dit, j'ai trop attendu, et elle a dit, c'est de ma faute. Voilà. Donc, elle ne reproche rien à son mari et à son fils, elle disait, c'est de ma faute, j'ai trop attendu, j'aurais dû y aller avant. Voilà. Et puis, on a eu un message, alors, moi, je trouvais un peu banal, des choses classiques, on peut dire à tout le monde, mais pour le monsieur, lui, ça rayonnait, et pour son fils, c'était merveilleux, parce qu'elle lui a parlé d'un truc personnel,
Et j'ai cru qu'il allait me dire, mais d'où vous sortez ça? Il m'aurait dit ça, c'est pas vrai. Mais non, il a dû le penser, je pense, à un moment donné. Mais il s'est retenu, il a dit, oui, c'est bien ce que je reçois. Voilà. Donc ce monsieur et ce jeune homme, quand ils sont partis de chez moi, je savais qu'ils étaient en paix. La personne précédente dont je donnais l'exemple, je savais qu'ils partaient, mais ils n'étaient pas forcément en paix ou rassurés. Alors, il faudra que la médiumnité, c'est pas pour, c'est pour soulager, c'est pour donner un autre regard sur l'absence. Voilà. Eux sont partis en paix. Et le troisième, c'est un monsieur qui est venu pour... il y avait sa femme, sa fille et puis un de ses gendres. Alors là, ils étaient trois. C'était ouf, c'était lourd. Mais le monsieur est arrivé. Alors, il faudra que c'est un monsieur. Dans la vie, il bougonnait tout le temps, il ronchonnait tout le temps, mais pas méchamment. Mais ça n'allait jamais, il ronchonnait tout le temps. Et il arrivait en ronchonnant. Ah, on me dérange. Et là, les trois, alors ça pour moi c'est merveilleux parce que ça me soulage, les trois n'ont pas éclaté de rire, mais moi, ils se sont illuminés, quoi. En disant, ah, c'est bien lui, voilà. Alors lui, il a dit que sur Terre, c'était pas facile, mais il a dit, quand je suis arrivé de l'autre côté là-haut, ça n'a pas été facile non plus. Alors non, pourquoi ça n'a pas été facile? La question que les consultants posaient, pourquoi ça n'avait pas été facile? Mais parce que la dame était têtue comme un âne, il n'en faisait qu'à sa tête, il ne regardait jamais en haut, il regardait toujours en bas, en dessous de lui. Et quand on est là-haut, il faut regarder plutôt en haut que de regarder en bas, il faut regarder l'espace, la lumière qui va vous happer dans cet halo lumineux et pas regarder les détails. Donc lui, il est resté, on peut dire, alors il y en a qui vont dire des amérantes, alors je ne supporte pas le terme, amérante, c'est horrible, non, une âme, elle est ni perdue. Elle est stationnaire, voilà. Donc il est resté un long moment jusqu'à temps qu'il puisse se libérer. Donc sa grand-mère est venue le chercher, son frère aussi qui était parti avant lui militaire, et on lui a demandé sur l'acte, sa femme est dit, non, c'est la belle-fille qui dit, je suis un peu ému, je ne sais plus où j'en suis. Bref, la belle-fille, on va dire que c'est la belle-fille, elle lui demande s'il ne regrette pas d'avoir fait cette demande. Et il dira, je ne sais pas. Ça veut dire que lui était bien, mais pas totalement en paix avec ce qu'il avait fait et qu'il voyait la peine que ça laissait aux gens qui étaient partis. Donc vous voyez, c'est au cas par cas. Mais d'un sens comme de l'autre, l'âme, elle arrivera à un moment donné dans cette fameuse lumière. Après, par rapport aux consultants qui viennent me voir et qui me disent rien du tout, j'ai reçu un monsieur. Alors, vous savez, au bout de tant d'années, je voyais qu'il était, il venait, on l'avait envoyé, il m'avait vu dans une, il était venu me voir à deux conférences, il avait vu comment je travaillais, il trouvait ça bien, mais il trouvait que j'étais un peu brutal, alors je dis oui, je suis un peu ours, je fais pas, voilà, il n'y a pas de cinéma, mais ça me plaisait aussi quand même, c'est pour ça que je viens. Donc, il me sort la photo de sa femme, et la femme ne me dit rien. Donc, contact vide. Et hop, d'un seul coup, elle apparaît. Je l'aperçois, elle me dit, dites à mon mari de sourire. Donc je dis, monsieur, il faudrait sourire, monsieur. Et là, il se ferme, j'ai vu qu'il allait me sauter dessus. Parce qu'il me dit, on ne peut pas sourire dans des moments comme ça. Et sa femme me dit, oui, il n'est pas prêt, il n'accepte pas. Je dis, qu'est-ce que je fais? Je continue le contact ou... Mais je continue le contact. Je dis, monsieur, je pense que vous n'êtes pas prêt à consulter un médium, ou moi ou un autre, hein, pour recevoir un message, parce que vous êtes encore trop dans la colère. Et là, il tape sur le bureau, il me dit, oui, je suis en colère, je regrette de l'avoir laissé faire. Donc la personne entend, elle me dit, oui, il regrette. Mais elle dit, moi, je ne regrette pas, il a respecté mon choix, donc je le remercie. Donc je dis, monsieur, elle vous remercie. Il me dit, j'en ai rien à faire. Donc c'était tendu. Mais il me dit, elle n'a pas un truc précis à me dire que je sache que c'est vraiment elle. Et là, je sais pas comment vous expliquer. En deux secondes, je demande au guide, il me faut donner un truc précis parce que sinon, ça va mal se terminer. Il va me sauter dessus ou il va éclater. Et la dame me dit, dites-lui bien ceci, que je remercie de tout mon cœur de bien s'occuper de mon petit chat. Donc, un truc banal. Et je dis, monsieur, elle vous remercie parce que vous vous occupez de son chat. Et là, il craque en sanglots. Clac.
Il dit oui, je m'occupe de son chat tous les jours, je parle à son chat. Il me dit son chat, il doit l'apercevoir parce que quand je cite le nom de ma femme, il est un peu... Voilà. Rien que ça, c'est un mot tout simple, hein. Le chat. Ça a fait sauter à l'intérieur de lui quelque chose. Donc il a toujours la même douleur, peut-être un peu plus, mais c'était différent. Et rien que ça, il a eu le sourire comme ça, beaucoup de sanglots. Vous savez, une femme qui pleure, moi je suis habitué à voir les femmes pleurer. Un homme qui pleure, ça pleure rarement un homme. Mais un homme qui pleure, c'est... Je ne peux pas dire que c'est plus terrible, mais c'est une émotion différente. Et là, il était en sanglots devant moi, et un monsieur, on pourrait dire un macho, qui pleurait devant moi. Et après, il a eu deux, trois petits messages personnels pareils. Et il est ressorti comme sur un nuage. Il ne m'a pas embrassé parce que c'est... on s'embrasse pas entre garçons. Mais il m'a tapé sur l'épaule et voilà. Donc voilà, il faut faire attention quand on va pour... quand on a fait ce geste de l'euthanasie pour savoir s'ils sont bien de l'autre côté. Bon, c'est bien de le faire, mais savoir s'ils regrettent ou si des choses comme ça, il ne faut pas. Il faut laisser faire les choses. J'ai eu un troisième cas en salle publique. Pareil, là, c'était très dur. Hein. Ils étaient quatre dans la salle. Quand j'ai pris la photo, que la personne, elle m'a dit « Je suis parti en Belgique. » Et elle m'a dit « Je vous donne le numéro de l'appartement. » Alors moi, je pensais qu'on allait dans des cliniques. Mais bon, ce sont des cliniques, c'est des appartements. C'est pas le même terme. Hein. Des maisons médicalisées. Elle me donne le numéro de la chambre. Elle me dit « Donnez-lui le numéro de la chambre, ils sauront que c'est moi. » Et alors cette dame, qui est partie, elle avait un peu de l'humour. Vous savez, en Belgique, ils disent pas chambre 404, tout ça. Ils disent, je sais pas si c'est 90 ou comme les Belges. Enfin, elle me donne ça en belge. Ah, j'arrivais pas à le répéter. Et moi, mentalement, je lui ai dit, donnez-moi ça en français. Et elle me donne en français le numéro de la chambre. J'ai dit, alors monsieur et mesdames, j'ai dit, elle me donne le numéro de la chambre pour vous montrer que c'est bien elle que j'ai, que j'invente pas. Et elle transmet le message qui n'est pas passé auprès des femmes. Et le monsieur, pareil, très, très froid. Alors, je suis allé les voir à la fin quand même pour savoir si voilà. Mais ils étaient très froids. Il m'a dit merci. Il me dit, mais ça m'empêche, ça me la ramène pas. Voilà. Le troisième cas, il est identique à peu près. Hein. C'est une dame qui est venue pour... Son fils qui avait demandé. Pour une maman, c'est encore différent, c'est une autre histoire. Pour une maman qui passe par là. Le jeune homme était condamné, mais vous connaissez tous l'affaire publique qu'il y a eu en France, mais c'est le même cas à peu près. Et il lui a demandé. Et elle a fait les choses, ils sont partis, tout ça. L'opération de départ s'est bien passée, et après elle voulait savoir si elle avait bien fait les choses et tout. Et son fils lui a dit, l'a remercié de ne pas avoir mis d'obstacle à son départ, et qu'il n'était pas parti loin, qu'il était juste à côté d'elle. Puis après des phrases un peu banales, puis après des mots un petit peu personnels, voilà. Donc pour vous dire que l'euthanasie c'est quelque chose de très délicat, il ne faut pas juger, il faut respecter le choix de chaque personne. Moi, j'ai un ami dans les années, je perds un peu la boule, la notion du temps. En 87, j'ai un ami qui avait le sida. Mais un sida très avancé, donc paralysé, aveugle, enfin, terrifiant. Et il m'avait dit, Réna, quand je partirai, je te donnerai plein de signes. Oui, j'ai eu des signes. Mais il me dit, il faut pas que je souffre. On disait pas euthanasie à l'époque. Enfin, le mot, je le connaissais pas. Il me dit, il faudra me débrancher. Et sur son lit d'hôpital, il était donc aveugle, alimenté, enfin vraiment au dernier. Hein. Et il a dit à son moment, dis à Rénal de me débrancher. Oh. Imaginez la maman, qui me téléphone, elle me dit, il faut que je vous voie. En plus, moi j'étais à Paris, j'étais en province. Donc je téléphone, elle me dit non, faut que je vous rende de vrai, donc je vais la voir, et il me dit faut débrancher, faut que vous le débranchiez. Ah, je peux pas, donc je suis allé voir le médecin, tout ça, on parlait avec les médecins,
Les médecins et les infirmières, ils sont quand même assez ouverts à ça. Hein. Mais je dis, vous êtes sûr que c'est moi, vous êtes sûr que c'est moi. Elle dit, oui, il a dit, vous. J'ai dit, ben, je ne peux pas, c'est à vous de le faire. Voilà. Donc, la maman a fait le geste avec les médecins, on a débranché, on l'a laissé partir. Et je m'en suis toujours voulu de ne pas l'avoir fait. Mais je n'avais pas la force de le faire. Et un jour, dans un message qu'il m'a donné, il m'a dit, ma mère n'avait rien compris, c'est à elle que j'avais demandé de débrancher. Mais il m'a dit ça plein d'années après. Hein, pendant un moment, j'ai porté ça très sûrement. Voilà. Donc l'euthanasie est un départ. Alors, c'est un départ volontaire, on peut dire ça, parce qu'il y en a qui m'ont dit, oui, c'est volontaire. Oui, si c'est volontaire, c'est de leur part, ils demandent. Est-ce qu'il faut respecter le choix? C'est pas à moi de dire oui ou non. Mais c'est simplement que vous compreniez qu'une fois de l'autre côté, ils ont droit à la lumière divine, il n'y a pas de jugement. Voilà. Ils sont accueillis par les êtres aimés qui sont partis avant, ou par les guides spirituels, qu'ils soient d'une religion chrétienne. Alors chez les chrétiens, il y a catholique, protestant, enfin il y a plein de dérivés. Dans les autres religions, pareil. Il n'y a pas de jugement par rapport à ça. C'est quelque chose qu'il faut absolument comprendre. Voilà. Au moment où, je l'ai dit, on donne la potion pour certaines fois, ou des fois c'est une pilule, ou des fois c'est... Ben voilà, dès que ça se détache, l'âme, elle part. Elle part directement, ça se coupe. Il n'y a pas de souffrance. Et il y en a qui me demandent, mais des personnes Alzheimer, est-ce que ça revient? Oui, toutes les maladies qu'on a physiquement ici, de l'autre côté, elles s'effacent. Un aveugle, si on dit qu'un non-voyant est une maladie, de l'autre côté, il retrouve la vue. Un Alzheimer, la mémoire revient. Un infime, carrément, en moins, il n'y a plus tout ça. On est dans un corps spirituel de lumière. Tout est fait pour que l'on soit bien. Donc l'euthanasie, c'est quelque chose de délicat. Après, c'est à chacun de nous, en âme et conscience, de choisir. Voilà pour ce sujet délicat. Alors, je sais qu'il y en a plein qui voudraient me poser des questions, mais je ne pourrais pas vous répondre plus que ce que je vous ai dit là. J'ai simplement apporté mon témoignage. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite à tous le meilleur, le discernement. Pour les personnes qui écoutent la première fois cette vidéo, qui sont allées jusqu'au bout, sachez qu'un médium, c'est quelqu'un comme tout le monde. Ce n'est pas surnaturel, c'est pas... Voilà. Ceux qui veulent me contacter en privé, je ne reçois plus en privé pour l'instant, je vais faire une pause. Il y a eu le Covid, j'ai posé, j'ai arrêté les conférences, j'ai arrêté les entretiens privés. Alors, à l'heure où je mettrai cette conférence, peut-être que je les aurais repris, mais je ne sais pas quand est-ce que je vais la diffuser. Donc, pour l'instant, je ne reçois pas. Voilà. Je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre fidélité. Alors, j'aime pas ça, mais il faut toujours que je le dise. Les youtubeurs m'ont dit, Renat, t'es un youtubeur, faut le dire. Alors, je le dis, puisque je suis youtubeur. N'oubliez pas d'appuyer sur le petit pouce bleu. Il paraît que ça fait monter le truc. Alors, même si vous le mettez en bas, hein, ça fait, c'est pareil. Voilà. Ou de vous abonner à ma chaîne. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite encore une fois le meilleur.